quand t'as compris que t'es trop moche pour avoir une copine. J'ai une jolie main, non, vous trouvez pas? J'en suis plutôt fier, ouais. Je pourrais être mannequin main, je pense. J'ai un pic, j'aimerais... Ça me fatigue rien que d'y penser, en fait. Bon, le pic, c'est Kennen ADC, parce que Riot, ils ont buffé le E de Kennen. Le buff le plus inutile de tous les temps. Quand le E de Kennen prend fin, le bonus en vitesse d'attaque de Kennen lui permet de dépasser la limite de vitesse d'attaque. Je comprends même pas pourquoi ils ont payé quelqu'un pour faire ça. Tu peux pas plus jeter ton argent par les fenêtres. Y'a personne qui joue Kennen Attack Speed, vous êtes au courant, Ito. Personne fait ça. Et c'est pas ça qui va faire que les gens jouent Kennen Attack Speed. Ils sont débiles. Et j'avais raison, personne joue Kennen ADC, mais du coup, il faut qu'une personne joue Kennen ADC pour que Riot Games se dise qu'ils l'ont pas fait pour rien. Ok. Alors voilà, j'ai fait une game de Kennen. On peut faire mieux. On peut faire mieux. En fait, l'idée, c'est que je peux pas prendre Tempo Mortel, puisque Tempo Mortel, ça va permettre de dépasser la limite de vitesse d'attaque. Donc si j'ai Tempo Mortel, c'est comme si le buff de Riot servait à rien, vous comprenez? C'est comme si je disais, ouais, c'est bien votre buff, mais je fais pareil avec une rune. C'est pour ça que je dois prendre attaque soutenue. C'est moins bien, hein, mais c'est pour faire plaisir à Riot, pour qu'ils aient l'impression que leur buff est servi à quelque chose. Si moi je le fais pas, personne le fera. Limite, je max le E pour faire plaisir à Riot, mais j'ai pas tant envie que ça de leur faire plaisir non plus. Oh. Il est temps de frapper. C'est vrai que Kennen a une voix, j'ai tendance à oublier ça. Ils ont oublié de l'enlever. Ça sera un bon buff de Kennen. Oh, 26 CS, ça va, je suis devant Twitch. Où tu vas, toi? Mais où il va? Ce spam de shield, putain. Elle a vraiment très peur. Hein. Mais de quoi? J'ai jamais tapé, moi. J'ai plus tapé de femme dans ma vie IRL que dans cette game pour l'instant. Joli! Oui, elle est morte! Elle est morte, mec, t'es trop fort. T'es un dieu, vivant. Ça se passe pas mal, dis donc. C'est qu'on gagnerait presque la lane. Faut juste être prudent, parce que là, il y a Lulu qui arrive. Bon. Ah, d'accord. Eh ben, on va essayer de fuir. Hein. Ah, d'accord. Ok, ils sont 4. Il me faut une âne. Assez urgemment. 45% de vitesse d'attaque, c'est bien. L'âme du roi déchu, j'aime bien aussi. Mais ça fait que 25% de vitesse d'attaque. Moi, il m'en faut un max. Il fait quoi, lui? Mais il fait quoi, lui? Mais c'est très très bien joué, ça! Comment j'ai pris autant de dégâts? Hop là, je m'en sors. Peut-être. Alors, forceur! Voilà ce que ça coûte d'essayer de tuer Elgunsi. J'ai mis une auto comme ça s'il le tue. Non, mais j'y crois pas. Echo! Non, je vous jure que si vous la tuez. Ah bah allez. Ah, je l'ai tué! Oh, c'est trop gentil ça, Nidale. C'est tous des forceurs. Au fond. Je t'aime bien, mais là. M'arrangerait que t'arrêtes de faire ça. Ah bah oui, je suis con. Je suis con, je peux pas auto. Vas-y, Echo! Nidalee toujours dans les bons coups. C'est pas un build bizarre, ne dites pas que c'est un build bizarre, c'est Riot Games qui l'a voulu. Ils ont designé ça. Par contre, quand est-ce que je pourrais avoir une vitesse d'attaque qui dépasse la limite? Il me faut combien d'items pour ça, Rito? C'est peut-être le buff le plus inutile que j'ai jamais eu dans LoL. C'est possible. Vous, les historiens de League of Legends, vous pouvez peut-être trouver pire. Moi, je crois pas. L'organe de Runan fonctionne avec le passif de Kennen. Non, ça fonctionne avec le Z, donc ça permet d'appliquer plus souvent le passif quand même. Mais le passif n'est pas un effet impact. Ça fonctionne comme pour le ETF, quoi. J'ai mon tueur de Kraken. Peut-être pouvoir tuer Twitch, vu que c'est un peu un Kraken. YOLO! Ouh là 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 là! Quoi? Quoi? Et ça marche en plus! Premier tour. Oh, je suis le meilleur. Et maintenant une deuxième tour pour moi? Ok, pas de deuxième tour. Je pense que la botlane est sur moi. Si on voit Ryze s'avancer un peu trop, c'est sûrement ça.
Ah bah ils sont, en fait il est même pas venu en invisible. Raté. Bien joué. Oh c'est bon, on est bon. Ah j'y crois pas. Ouah, il faut bosser, hein. C'est fort, Kenenade. Regarde la game et fais-toi une idée. Je crois pas, moi. Oh oh. Ça me plaît pas. Ok. Bien joué, ça. Ah, mais y'a personne qui est venu. Certainement rien. Faudrait peut-être de lentilles. Moi j'en fais pas, jamais de la vie je fais de lentilles. J'ai pas le temps dans mon build. YOLO! Non, Nautilus, non. Le mec peut pas se retenir, hein. Il faut qu'il int. C'est obligé. C'est vraiment des forceurs. Tous, je vous dis tous. Tous les joueurs de League of Legends sont des forceurs. Ah. Ouais, je suis one shot. Tu poses des wards, Nautilus. C'est ce que je partais faire et je suis malencontreusement mort. Eh ben, ils ont Nashor, voilà. Attention, je peux dépasser la limite de vitesse d'attaque. Hein. Je l'ai pas tué, mais c'est tout juste. C'est tout juste. Quand tu fais pour ne pas faire des dégâts avec Kraken, plus beau truc. J'en sais rien, mec. J'ai du talent. Quelle que soit la DC que je joue, je fais pas de dégâts. Yes. C'est dur, mais on arrive. Winnable, guys. Stay focus. Allez, est-ce que je dépasse? Je dépasse pas encore la limite, mais... Dans un item peut-être. 2,39 encore mieux. On se le fait, on se le fait. Yes! On est les meilleurs. Trop fort, je suis trop fort. Pourquoi il tape pas? Pourquoi tu tapes pas, bro? Tu m'as laissé gagner là! Non, 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 non. Fais pas croire aux gens que mon pic est fort alors que tu m'as laissé gagner. Il a juste pas tapé, tu sais. Il a cru qu'il était invisible alors qu'il était à 2 cm de moi. Non, 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 non. Allez, croyez pas que Kennen ADC c'est fort juste parce que le gars a int. Allez, rip. Adieu, Lux. Je t'aimais bien. Victime. Non, ça va, ça. On le bute, t'inquiète. Je crois que ça commence à prendre forme. Et là, je vais pouvoir dépasser la limite de vitesse d'attaque. Voilà, Riot, ça y est. J'ai 3 items et des bots. Votre buff sert à quelque chose maintenant. Regardez, regardez. La limite de vitesse d'attaque est dépassée. J'ai 2,74, c'est broken. Pendant 4 secondes. En fait, ça irait bien avec tempo mortel. Si j'utilise le E au début de fight. Comme ça, je dépasse la limite au début du fight. Et ensuite, j'ai tempo mortel. Vous en pensez quoi? Ça a l'air viable? Yes! Yes! Je le tue. Non. Putain, j'ai tout le temps le E, c'est trop bien. il a 5 secondes et quelques de cooldown. 5 secondes 45 de cooldown, c'est trop bien. Et le buff d'attack speed est pendant 4 secondes. C'est pas mal, hein. J'aime dépasser les limites, moi. 3,11 de vitesse d'attaque, broken. Mon anti-heal a réduit seulement 6 HP, t'avais raison, c'est broken. Ouais, mais t'as pris l'anti-heal où il faut qu'on te tape. Et il te tape pas vu que t'es inutile. Nice. Ah, bon. Bah d'accord. C'est cool d'avoir 3,11 d'attaque speed quand on se fait pas one shot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ouais. Ils ont juste 3 assassins. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, ne pas jouer contre 3 assassins? Avec plaisir.
Bah alors, on flash out. Alors, pourquoi vous êtes dans la jungle? Comment vous avez pu vous retrouver dans la jungle alors qu'on a, on a perdu 3 inhibiteurs? On doit des pushes, c'est tout. Ya yeah. YOLO, non, c'est vrai. Vlak les alliés int. Surprenant. Allez. S moins. Lourd. Ah, j'ai vu... J'étais en 2-8 tout à l'heure et j'ai fait genre B+. Je crois qu'ils sont pas très exigeants avec Kennen ADC. Oh voilà, Riot Games, j'ai joué votre pick. J'espère que vous êtes content et que vous vous sentez moins inutile d'avoir payé quelqu'un pour coder ça. J'espère qu'il avait juste à copier-coller une ligne de code parce que c'est vraiment une arnaque ce boss.